bon, allez, on attaque. Alors, on met la sauce de montage. Et on va jusqu'à la hampe. On va jusqu'à la hampe pour... Oh, jamais, moi. Pour pouvoir monter le dubbing. Alors, le dubbing, il y a plusieurs manières. Soit on fait le fil, soit on le sent pas, on le fait pas, soit on le roule direct. Je pense que celui-là, on peut le rouler direct. Parce qu'il est fin. Celui-là, il va se rouler. Quand tu le roules comme ça, tu le roules dans un sens, tu peux le faire. Oui, toujours dans un sens. Tu serres bien les doigts ou tu le serres pas? Ah oui, oui, tu... Alors là, je passe, c'est encore... Là, tu coupes. Tu récupères la pince. Tu vois, tu récupères ça. Et après, tu tailles avec des ciseaux. Tu couperas là. Là, tu couperas et ça, tu le jettes. Je vais mettre deux fois. Je vais en refaire une. Voilà, on les passe, on les fixe devant. La mer curieuse, ça, il faut le, après, il faut acheter le machin qui brûle. Tu t'emmerdes pas. Ah ouais, d'accord. Et après, une fois qu'on a fait... Vous avez monté la plume ou pas encore? Pas encore? Il est pas d'ici sur le dessous. Je n'ai jamais vu des grimes. Non. Mais il faut les tels, non? Oui, puisqu'on va les, on va faire la couture. Exactement. Alors à la fin, il faut couper toute cette merde là. Non, mais là, ici, là, les roues, ils ont des poils beaucoup plus longs. Ouais. Hier, ils m'en avaient donné là, des roues là, parce que dans la crase, ils en avaient pris. Ouais. Ils étaient morts. Ouais, ça tue, ça l'écrase. Une fois qu'on a posé le dubbing. Ah non, c'est dommage. Moi, quand j'étais gamin, j'ai tué. Avec la casquette de gibecière, c'est que tu jettes derrière l'arbre. J'en avais appris plusieurs, à la provision. Dans la maison, il y était tout. J'arrivais, il était monté sur toi. Moi, j'étais ici, monté sur papa. J'essayais de l'attraper, quoi. T'es rêvé. Ça rentre au rideau, tout ça. Et un jour, on est parti trois jours. Quoi. Le seul défaut que j'ai eu, c'est un jour, c'est un écureuil que j'ai pris. Il n'y donne jamais des amandes ou des noisettes cassées. Jamais. Donc, avec la coquille. Moi, j'ai donné, j'ai cassé. Bah, ils se régalaient. Quand je suis parti, j'ai mis des noisettes cassées. Mais c'est dingue. Elles ont poussé. Elles ont poussé. Ah, ouais. Et il est mort de faim.
reparti, là, il n'a pas pu bailler. Il n'a pas pu bailler. Quand je suis arrivé, j'ai appelé. Titi, où tu es? Il est arrivé. J'ai appelé, c'est la maison de liberté. J'ai ouvert le robinet pour voir, regarder sur le bord du lavabo. Quand il est mort, je l'ai cherché. Il est allé mourir dans la corbeille à l'aise. Il s'est enroulé, puis il est mort comme ça. Ah bon, j'ai eu même un lièvre dans ma maison. Une fois que tu as... Vous en êtes où? Le lièvre, après j'ai administré mon oncle à Victoria, qui avait un capta. Et à la fin, il faut couper un peu. Et une fois qu'on a fait ça, avec Louis Pini, je termine. Et puis après, bon, tous les c'est efficace. Ah oui, ça c'est efficace. Pas trop lourd. Ah non. Cette année, j'ai pêché pratiquement en sèche. Tout ce que j'ai pêché en sèche, je vais la monter là. Je l'ai fait avec un corps en plastique. Et on va chuter. Avec un tag, on va chuter avec un coup de fort noir. Ah oui, ça marche bien. Petit, un 16. Le deuxième paire de lunettes, c'est des loupes. Ah oui, ça c'est des loupes, ouais. C'est que des loupes ça. Et là tu prends ça après. Et là. Tu vois? Voilà, je suis tombé, nickel.